Et c'est enfin le retour du règne. Et c'est enfin le retour du règne. Et c'est enfin le retour du Redneck Door. On est toujours avec Fred. Et c'est toujours Paul. Et vous avez manqué. Voilà, le concept du Redneck Door reste le même. On part d'une grande ville de France et on va chercher le temps d'une journée des beaux petits sentiers sans prendre la voiture. Donc là, l'objectif, Fred, c'est quoi? C'est on va sauter dans un train. Ouais, on est sorti un peu de la zone du confort. On est sorti de la zone de confort parce qu'on est où? On est à Lille. On est à Lille dans le Nord. On n'a pas l'habitude d'être ici, mais je pense qu'il y a des beaux petits sentiers à les trouver. Il y a des moules frites à aller manger. On espère trouver des beaux rides sur la côte notamment. On va aller rejoindre Boulogne en train et voir ce qui se passe là-bas. On vous montre les images et on espère que ça vous plaira. Quelle belle entrée! Quelle belle entrée en matière! Carte jeune, t'es encore jeune toi? Eh non, c'est fini. Les experts vous recommandent un petit peu de sable pour votre transmission. C'est parti pour le sable. Dis donc, c'est beau ça. Film. On y est. To speed the process along. Dis-moi Fred, est-ce que ce serait pas un petit sentier que tu viens de nous trouver? On n'a pas. Incroyable. Sur une toute petite colline, mais censé aussi vite. Il est beaucoup trop excité. Il a des trop grosses cuisses aussi, j'arrive pas à le suivre. Ça me fait un peu de mal de l'admettre, mais il n'y a pas que les Alpes dans la vie. Ouais, c'était carrément cool, un truc de fou. Du bon ride, des beaux sentiers. C'est pas énorme en dénivelé, mais c'est quand même cool et il y a moyen de s'amuser. Hein. Ouais, fatiguant quand même, ça tire les jambes. Bonne journée de pédalage. Heureusement qu'il nous reste les frites. 35 bornes, ouais, un bon plateau de moules frites là, je suis chaud.